Bonjour à tous et à toutes, ici c'est Kai et on se retrouve sur un nouvel épisode d'Europa Universalis 4. Voici notre campagne consacrée à Byzance. Donc, la traite avec Mamelouk est terminée. Vous en doutez. Voilà, c'est subtil. Baston. Éthiopie et Yémen qui rapplique. C'est censé me faire peur. Bon. On va pas prendre Gaza comme outil de guerre. Allez hop. Je suis censé avoir peur normalement, Bolop. C'est quoi faire? On va diviser, on va foncer vers les ennemis, on va aller exploser leur armée du Caire. Je suis censé être terrifié par eux, hein, je précise. Parce qu'ils sont censés être une menace. Alors la seule façon qu'ils soient plus menaçants, c'est honnêtement si je prends leurs troupes et que je m'étouffe avec. Hein. À part ça. Allez, vas-y, ça, c'est bon. On occupe. Man, on occupe ça. Pourquoi vous allez essayer de faire une petite virée à la Mecque, un de ces quatre? Histoire de montrer, voilà, un petit peu aux musulmans. Et Jazz. Je veux casser la gueule, je peux pas, mince. Oh, dommage. J'ai peine de vous annexer, vous, les musulmans. Ah. Et hop. La profonde dans le tas. Bon, voilà. Voilà, on va foncer dans le tas, nous. On va les exploser. On a pris le Fayoum, bonne nouvelle. On va les écraser ici. Bon, voilà, le Trébizonde fait le boulot au nord, c'est parfait. Je sais pas si je vais me parler de l'Irak honnêtement. L'Irak, j'en ai pas tellement grand chose à faire. Bon, bah la basilica est morte. Elle n'a pas tenu longtemps celle-là. 4-2-5 pour Yuan 5. Et la réalité, c'est 2-5-1, pas même. Pas terrible, mais j'ai connu mieux. Brillant stratège. J'ai plus conciliateur naïf, tant mieux. On va pouvoir intégrer d'autant plus rapidement la Hongrie. Bon, je prenne le Caire. Hein. Ah bah c'est bien, j'ai pris le Caire, voilà ce que je voulais. Gagne des points, voilà, on gagne des points. C'est parti, Syrien. Je la sens mal là, je vais prendre une grosse armée dans le cul. Envoyez-moi une armée, s'il vous plaît, les gars. Vite, 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 vite. Et mince, mes autres se sont fait démolir. Et mince. C'est bon, Alexandrie est converti. Bonne nouvelle.
On retourne au sud. Allez, le Yémen, vous voulez pas vous calmer un peu, les gars? Vous pouvez faire une paix un peu, les Yéménites? Juste vraiment pas, vous êtes sûr? Alors, moi, je vous tombe dessus, voilà, je vous éclate, hein. J'expose gentiment notre petite armée. J'avance. On va prendre la Mecque. Ils n'ont même pas fait la Kaaba quand même. Je trouve ça un peu lamentable quand même de ne pas avoir mis ce monument. Il manque la Kaaba, juste. Il manque juste la Kaaba, ouais. Genre, c'est pas grave. Alors, on va aller. Vous voulez bien vous calmer, les gars? On les cache. Au briser notre alliance avec le même look. Et je prends le pognon. Et c'est bon, on se casse. On abandonne le pays là. On va arrêter autant kikiner. Vous là. Qu'est-ce que vous me donnez? Sauf une paix. Mossoul, vous voulez pas le filer plutôt à Trébizonde? Je suis tous les provinces à Trébizonde. Tant qu'on a des provinces kurdes, autant. Je préfère après tout. Karga, c'est pris cool. Oula, il reste plus grand chose là. Waouh, le Chopi qui a bouffé tout ça. Ma courir, il reste vraiment pas grand chose. Hein. Sire, t'es occupé? Et la Hongroise, là, séparez-vous, défoncez faisant là. L'Éthiopie, c'est vraiment pas une grosse menace, hein. Je vais être honnête avec vous. C'est pas l'Éthiopie qui me fait peur du tout. Et Chopi, vous voulez pas vous calmer un petit peu là? On est une paix. Ou j'explose sinon? Ouh là là, la vache, la nuit. Ma courrie a pris tellement cher. Chopi, il y a trop d'ennemis, il y a trop d'alliés dans le coin. Faut pas que ce soit avec les mêmes looks, l'Ethiopie. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gentiment aller chez lui. On va descendre tranquillement, pas tout. Et après, sérieusement, divisez-vous, là, les gars. Moscovie. Père du cas, c'est pas grave. Est-ce que je défonce? Non, c'est eux qui me défoncent. Putain de merde. Pas grappiller le petit bout là? Oh. Si, on peut là. Voilà, on a arraché des morceaux entiers, on a récupéré Jérusalem.
Allez, on commence tout de suite par. Oula, j'ai beaucoup de points après tout. Convertir Petra Mégalée à la foi orthodoxe? C'est où ça, Petra Mégalée? Ah, c'est ici, d'accord. Donc, on va faire ça, hein. On va nationaliser après tout en même temps. Je vais accumuler les points, c'est pas pour rien. Les meilleures unités après tout ici. Je les ai reconquises. Bonne autorité patriarcale. Missionnaire plus 1, cool. Il s'est amélioré. Et ben voici une bonne nouvelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va gentiment en plus prendre une technologie. On va recruter un peu plus de troupes. On va essayer de becquer gentiment tout ce qui nous entoure. L'Espagne et le Portugal, par contre, me gênent là. J'ai pas envie de voir trop au Maghreb. Surtout pas à Carthage. Pas enfin, de nouvelle Carthage plutôt. Bon, ça, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une nouvelle technologie. Déjà niveau 19. Et donc il soulève ces barbares. Enfin, nous, ce qu'on va faire, on va se pencher un peu plus sur la reconquête à cause de notre aide, voilà, à notre noblesse, voilà. Tu perds de l'argent? Pas grave. Au bout, on va déclarer la guerre. On va appeler à l'aide. Pourquoi vous venez pas, vous? Pourquoi ça déstabilise l'Autriche? Vous êtes entré avec qui? Oula, mes relations avec l'Autriche, elles ont pris tellement cher. On va immédiatement envoyer nos relations avec l'Autriche. Oh la vache, j'ai pas vu, j'étais vraiment très très bas. On va se récupérer. Russie me demande de l'aide contre eux. Elle accepte. Mais j'y mets pas un autre pied, hein, je vais être clair. J'y mets pas un doigt de pied dans cette région-là. Contre la Moscovie, pourquoi la Russie a pas beaucoup commencé à bouffer la Moscovie? Il y a tellement de moyens, par contre les Timouris sont énormes. Le Tchagatai aussi. C'est bizarre ça que ça. Ah oui, j'ai compris. Maintenant les territoires sauvages, quand ils sont entourés par un seul pays, ils se mettent de la même couleur. C'est pas une mauvaise idée, après tout. Le Tibet qui est toujours pitoyable, qui est pauvre comme tout. Quand même, quand je vois le Tibet comme ça, c'est triste comme un frigo vide, faut être honnête. Hein. Le même look, c'est quand je peux casser la tronche. 1595.
Mince. Les convertis. Religieux. Voilà. Par contre, qui va me casser les pieds, moi, ça va être remettre-moi à convertir. Carte lycée où? Peut-être par là, et bon, où exactement? Est-ce que c'est sunnite, ça va se révolter? K186 pour la convertir. Ok, déterminé pour gazer mon cul. Changement de mode de consommation, d'accord. Les sucres étaient fois un matériel de luxe, maintenant les bourgeois qui peuvent s'en payer parce que ça vient en masse d'Amérique, tout simplement. J'ai trois missionnaires maintenant, c'est vrai, j'ai oublié ces détails-là maintenant que j'ai pris Jérusalem. J'ai trois missionnaires. Trop cher pour moi, j'ai pas envie de m'en charger pour l'instant. Yémen me casser les pieds. La zone défensive, hop, 400 points. Plus 5 disciplines et moins 25 d'attrition terrestre. Ça, je suis content. C'est tellement utile. On sera tellement tranquille. Et l'Hongrie, c'est déjà intégré à 27%. Fantastique. Niche et converti. La France, c'est pitié. Alliée à Munster et l'Espagne. Ah, elle a trouvé son poteau. Sinon, la France a encore ses claims ou pas? On rigole un peu. Ouais, elle a encore pas, elle a quelques claims, mais bon. Allez, on va tout de suite. Reine Catherine de Médicis. Wow, c'est les Médicis en France. Regardez ça! Catherine de Médicis qui règne jusqu'à ce que Gaston de Valois arrive au pouvoir. C'est classe, ça, ils ont mis l'événement pour que les Médicis puissent monter sur le trône. On a la place d'un conseil de régence. Victoire en carte lille, c'est évident, j'avais gagné. Et pas de suspense contre cette bataille là. Ravensbourg! Vous savez les hérétiques? Ils ont deux provinces. Bon, Robinou, là, le duché, là, c'est clair, ça va être. Oh! Un nouveau claim contre la Horde d'Or. J'ai dit que je voulais pas m'étendre au-delà de ma limite actuelle. Regardez cette carte culturelle, là. Je vais taper les provinces d'une culture Michard qui ne m'intéresse absolument pas. Allez. Petra Mégalé s'est converti, la victoire. On va envoyer ça à Jésus. Envoyer à Rome. Mais il faut que je fasse une chose. Si je transfère la culture à Rome. Ah bah non, tant que Bono existe, je peux pas transférer la culture en Brienne. Ok, Pise. Ok, on va prendre ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en plus envoyer mon missionnaire. À Rome parce que ça me servirait à rien tout de suite sauf si je peux prendre un et non je vais prendre de faudra un inquisiteur ouais il faudrait rapidement que je puisse monter en technologie ici pour avoir le plus 3 missionnaires mais ce sera pas le cas donc Jérusalem et on va tout de suite déclarer la guerre. Allez, est-ce qu'on est... Oula, une balle de copains. Allez, on déclare la guerre, les gars. On fonce dans le tas. On va faire une petite guerre contre un Européen, cette fois-ci.
voir ce que veulent vraiment les technologies européennes. La vache, ils sont nombreux, ils sont puissants en plus. Hein. Je prends très très cher. Il y a beaucoup d'hommes qui arrivent. Oula, d'où ils viennent tout cela? Il y a également Ferrari. Ah bah il y a Ferrari hein, qui vient. L'armée d'Hongrie qui vient ici, est-ce qu'elle sera suffisante? Je ne sais pas, j'ai des doutes. Vous là, l'Autriche, vous venez ou pas? Appel aux armes, oui, vous venez. La Grande-Bretagne également. Est-ce qu'on y a vie? Ouf. Les British rappliquent. Ces armes gonflent, on va être honnête. Probablement que l'Autriche ramène le bout son pif. Oh la vache, il y a plus de 100 000 hommes. Je regarde les chiffres, ouf. Chez les Britanniques, j'avais oublié qu'ils étaient également sur le sol européen. Très très cher, ma seule chance c'est de les user. J'envoie mon armée ici pour soutenir mon allié autrichien. Va vraiment falloir user les troupes ennemies. Hein. Pas diplomatique en plus. Oula, une flotte ennemie. Coulons là un petit peu. Pour leur apprendre leur respect. Gaza s'est converti. Parfait, bonne nouvelle. Bon, est-ce qu'on éclate l'armée ennemie ici? Oui, ça passe. Les Russes arrivent à... Ouf, les Russes bouffent les Timourides. Bonne nouvelle. Ah bah oui, parce qu'ils peuvent pas coloniser, ils ont pas les doctrines pour. Donc ils vont bouffer les Timourides. Mais cette guerre-là, il faut absolument qu'on gagne, j'ai pas envie de perdre comme un débile. Pas le siège de Sienne. Mais c'est sûr que non, ils vont pas tout de suite, ils vont pas déjà se rendre, faut pas exagérer. Ils s'en doutaient. Pologne est alliée avec Ferrare. Mince, ça me plaît pas du tout ça. 20 000 hommes ici, est-ce qu'on peut les défoncer? Il y a les autres cons qui rappliquent évidemment. Les troupes qui mettent pas vraiment beaucoup, hein, pas beaucoup de succès. Là, je prends très très cher au niveau des armées. Là. Les étis sont pas tip top, hein, faut être honnête. Urbino me bouffe. Me goinfre, les gars. J'ai encore pas pris une défaite ici, c'est horrible. Vraiment que j'éclate l'armée là pour progresser un petit peu et gagner un petit peu en score de guerre. Et le Hainaut, il est surtout.
Encore une mort? C'est quoi? Ces gars qui créent. Il a quel âge là? 58 ans. Putain, il va bientôt mourir encore. Bon, ils osent pas venir finalement. Ils se chient un peu dessus là, bonne nouvelle. Il est mort là, Habsbourg, il est mort. Mince. Mal royal, voilà, tout est goût. José est reconverti. Samchke. On va reprendre Rome, parce que je suis à 52, ah ouais. Mais la mission, c'est quoi de conquérir Pise? Tout ça, d'un coup, se brouiller avec l'Espagne pour juste bouffer Pise. Garbia, c'est où? C'est ici, d'accord. Ah ouais! J'avais pas vu que c'était les saletés. Timurid fait la paix. Ils se sont fait bouffer, les gars. Waouh! Les roast beef, je les ai éclatés. Tant mieux. Prends hyper cher. On a repris Tarana. S'il faut, on va envoyer une autre armée ici pour être sûr, mais bon. Ah non, il n'y a pas besoin. Ils m'ont exterminé une armée entière, les saletés, quand même. Purée. Tape fort, quand même. Il y a beaucoup d'armées d'Ogmenu et surtout énormément d'armées Ferrare. On a repris ces Jérômes, bonne nouvelle. Le Rosby, il faut qu'on commence à gonfler sérieusement là. Je le dis poliment. C'est qui l'était? Yuri Paléologue. D'accord. Ouais, pourquoi pas, pour tout. Hein. Si j'arrive également à m'emparer de la Russie en UP, bon, ça m'étonnerait, bon. Je peux toujours espérer. À tout, ça va rêver dans la vie. Je paye pas le navire quand même. Ouf. Je prends très cher contre les Européens. Ferrare, vous voulez pas faire une paix là, les gars? Offrir quoi? Que je relâche l'Hongrie de Trébizond, bien sûr, vous allez vous faire voir. Les mecs, ils ont fumé. Voilà, j'ai essayé d'éclater l'armée de Ferrare pour les calmer. Putain, les autres connards qui sont rappliqués, bien sûr.
Oh là là là, cette guerre se passe hyper mal, je gère hyper trop mal. Je prends tellement cher là, heureusement là-haut ça se passe mieux. Faut qu'ils reprennent Rome, faut pas qu'ils reprennent Rome. Fonce vers Rome. Je sens vraiment que ça va être chaud quand même. Oh non, la noblesse, non, c'est bon. Vous avez gagné perdu un peu de prestige, c'est pas grave. Je me suis fait encore un claim, voilà. J'ai vraiment oublié de faire des claims sur cette clampin. J'ai encore seulement 7 ans, 7 ans avant la paix, avant la fin de la trêve. Prenez Rome, les gars, je vous l'ai dit, prenez Rome. Qu'est-ce que vous allez prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre comme technologie? Encore du militaire? D'accord, mais après ce sera clairement du diplomatique. Hein. Je suis vachement la bourse du diplomatique. C'est effrayant. Quand je perds, j'ai deux fois moins d'hommes. Enfin, deux fois plus d'hommes plutôt. C'est bon là, vous reprenez la bataille. Allez, les Autrichiens, venez les Autrichiens! Regardez-moi ces enfants autrichiens qui arrivent juste vraiment pile au dernier moment. Ah les potes. Ok, j'ai pas eu trois navires ici, je sais même pas d'où ils venaient. Allez, Obino, qui est-ce qui casse les pieds encore? Le Hainaut, les Scandinaves. On n'a pas vu beaucoup de troupes Scandinaves ni British. Hein. Ah, donc les British, on l'a quand même vu. On a repris en cône. C'était un objectif de guerre, donc ça fait des points. C'est bien pour nous. Vraiment qu'on prenne les forteresses là. Hein. Faut absolument qu'on ait aidé l'Autriche. Il y a une forteresse ici, oui, à Urbino. Il y a une forteresse à Urbino. Faut qu'on la prenne. Il y a une forteresse à Gênes. Faut qu'on la prenne également. Je pense qu'on n'a pas plus loin que le pot. Dans le pire des cas. Stavropol? On fige ça. Vous avez bouffé la horde, c'est tant mieux. La Lituanie fait pitié. Eno. Eno. Vendez la paix avec ces clampins. N'oubliez pas, moins 18. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas encore occupé le territoire chez eux. L'Autriche par contre a fait un gros bloc. Hein. Russie accepte la paix, elle est lâche. On paye tes potes. Ils sont même pas gavés en Scandinavie. Faut que la Suède là en plus. Le Gotland. Bonne chance les gars.
Modification des réserves nationales, voilà. On va pouvoir remonter un peu les réserves parce que j'ai tellement besoin de monter ces réserves. Léon Gros, venez à mon secours là, oui. Moins 77 ici par contre, waouh! Vraiment que je les dépouille. Cette guerre sera tellement coûteuse. Je suis pas prêt d'en faire une en Italie, hein. Mais bon, ça, le grand hôtel, c'est pas trop grave. Allez, hop. Les British, ils font quoi, là? Casse les pieds, les Britanniques. On éclate une petite armée de d'Urbino, là. Pas tous, ils sont là. J'ai genre plus de chances de prendre le Gênes que leur capitale. Vous êtes en guerre contre qui l'Espagne? Ok, la France, ils vont reprendre l'Orléanais? Non, refusez, je vais pas juste du pognon. L'Autriche qui arrive, heureusement. Les Pays-Bas déclarent l'indépendance, ok. Pays-Bas avec le nous direct, ok. Par contre, l'Angleterre, c'est Angleterre, enfin, cette Grande-Bretagne est énorme. Patriotisme, c'est une bonne chose, je rappelle. Patriotisme, c'est pour gagner du pognon et éviter que les étrangers ne viennent prendre nos jobs. 58 régiments! Au sérieux, les gars? C'est quoi ces armées de fous? L'Espagne qui affronte les Britanniques. Laurence, c'est à nous. Oh, non, 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 non. On va pas aller là-bas. Loud rejoint. Bonne nouvelle. N'est pas juste faire une paix, les gars. Les Britanniques, vous voulez pas faire la paix? Moins 8. Ah, vous êtes bientôt épuisés, les British. Vous avez peut-être autre chose à faire, non? L'Autriche, je la saigne à blanc comme un cochon. Oh, tellement cher, l'Autriche. Vite que je gicle les British. Gap administratif, ça m'intéresse. Au bout de nous récupérer Luc. Oh! Je vais pas vous laisser faire, les gars, faut pas déconner. Non, il ne veut pas gagner quand même. Non, il ne veut pas gagner. Ouf. Et la claque que je vous ai mis, vous ne voulez pas, toujours pas faire une paix, les gars? Vous avez du courage. Dommage que ce soit plutôt de l'inconscience dans votre cas, les gars. Quand une armée rose bif défoncée. Pourquoi est-ce qu'on est nav là? Ils sont enfin pointés, ce qu'on est nav. Ils se pointent enfin. Ouais, bien sûr. Hein.
La cité de guerre commence à être très élevée, hein. Ouais. Faut que je termine cette guerre rapidement. Moins 7. Non, ils trahiront pas pour de l'or. Merde. Et autre question que j'abandonne maintenant, c'est avec la Russie, ça c'est clair. Mais oui, c'est pas grave, les Mamelouks. Les British sont faibles. Ah! Ils acceptent une paix donc. Je suis débarrassé des Anglois. Bonne nouvelle. La semaine à vie. Et venez là, les alliés. Venez là, vite, les copains, vite. Pas possible de voir ça, sérieux. Les jeunes, c'est gagné. Le Hainaut, sérieusement, on veut pas défoncer le Hainaut là? C'est pas gagnable une bataille contre le Hainaut? Il n'y a plus de diplomatique en plus. Alors, si je fais une paix avec vous, la semaine à vie, demandez la paix. Moins 16, vous, Hainaut, c'est pas. C'est temporaire de toute façon. Hein. On prend tellement cher cette guerre pourrie. Juste 4-33, waouh. Usure quand même, ça fait cher quand même, on prend très cher. La France prend très cher à sa gueule. Oh, mon Dieu, c'est la France monstrueuse. Ah, l'Autriche a récupéré son empire. Bonne nouvelle. Moins 3 parce qu'on est d'avis. Ah, j'ai pas vu qu'il m'occupait la province de Venise. Ah. J'ai poutré les armées qui se trouvent là-bas. Bourgogne est énorme quand même. Toujours un action militaire, ok, vous êtes en guerre contre qui? Brunswick, Francfort et Thuringe. On va améliorer les relations avec eux. Et on va arrêter là. Ça suffit les conneries, ça suffit les conneries, les gars, sérieusement. On arrête là. Vous voyez un missionnaire ici, il faut 333 mois, c'est pas grave. Y a pas un gars qui va bien faire végétation, non. On va pas soucier pour l'instant de l'agitation, on va tranquillement convertir ce province-là, on va baisser, on va attendre que la cité de guerre baisse d'elle-même. Et là, là. 95. On prépare pour une autre petite guerre. Et là, sans doute, là, ouf, ça coûte hyper cher. Waouh! Je pense que pour le duel, on va s'arrêter là.
J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, vos commentaires. Parce qu'on a galéré aujourd'hui. Allez, ciao tout le monde!